5 des 6 meilleures françaises de GRS s'entraînent ici, à la salle des Murlins à Orléans. Alors quand l'équipe de France prépare les championnats du monde, les Orléanaises sont à la maison, sous l'œil des deux entraîneurs bulgares, Mladenova et Atanasova. À Berlin, les espoirs de médaille reposent sur les épaules de cette jeune Orléanaise de 19 ans, Eva Serrano, championne de France, 6e à Atlanta. Elle est la Française qui peut espérer un podium. J'aimerais bien qu'elle entre dans les 6 premières gymnastes dans le monde. Et je serais très très contente si elle nous fait un cadeau, une seule médaille. C'est pour Eva ses 5e championnat du monde, elle aura l'expérience et la volonté. Ce qui comptera surtout là-bas, c'est mon travail. Parce qu'on est tellement serré entre les 8 premières que la moindre chose sera fatale. Et il faudra compter aussi sur deux jeunes espoirs, Amélie Villeneuve et la petite Stéphanie Delayé, 15 ans pour 1m60. La GRS à Orléans se porte bien depuis que l'élite des gymnastes a adopté Loiret. Depuis 2 ans, on ne compte plus les nouvelles recrues et les entraîneurs internationaux. Alors à Berlin, c'est une équipe de France aux trois quarts orléanaise qui tentera de bousculer la hiérarchie mondiale.